Et salut à toutes les truites et truitesses, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale les amis, au programme du Rush League. On va essayer d'exploser notre record actuellement, je suis à 4809 trophées qui est mon record. Mon objectif de cette saison, vous le savez, c'est 4900 trophées. Mais avant de parler de ça, il y aura également du pack opening. Je voulais déjà vous remercier pour la vidéo Domino, on a passé les 15000 pouces bleus. Et ben, c'est un peu la PLS pour moi parce que d'une part je m'attendais pas à passer les 15000 pouces bleus. Et deuxième part je suis un peu en domino, je suis assez bon pour des lignes droites. Mais pour faire des cartes ça va être assez tendu, donc ça va me demander du travail. Et ce qu'on va se faire c'est un petit jeu en commentaire. Dites-moi la carte que vous aimeriez que je fasse en domino. Faites-moi péter l'espace commentaire et likez pour la carte que vous voulez. Alors je vous assure pas de faire celle-ci. Je vais vraiment m'entraîner, je vais voir, je vais me choper déjà dans un premier temps des dominos. Mais d'ici je pense, allez, fin juin au plus tard, il faut du temps quand même pour me préparer. Là on est fin mai, on va arriver début mai, mi-juin, d'ici 15 jours, il y a moyen que la vidéo soit disponible. Donc faites-moi péter cet espace commentaire. J'espère parvenir à réaliser une carte. Alors si je vois que j'ai du mal, je prendrai une carte facile. Mais ça va être la guerre les gars, ça va être la guerre. On va passer maintenant aux choses sérieuses les amis. Alors comme vous le voyez, il y a du petit pack opening. On a les petits coffres gratuits ici, on a le coffre de clan qui nous attend ici, peut-être un coffre de clan légendaire comme le précédent. Et ici le défi du tirage de la sorcière de nuit. Alors pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai pas réussi à faire les 13 victoires, j'ai été merguez sur la dernière, j'ai chié. J'étais à 10-1, j'ai aligné 2 défaites, j'étais un peu fatigué je pense. Et du coup malheureusement je ne le débloque pas. Ce qui va se passer, on va faire l'ouverture du coffre et peut-être que je vais la débloquer. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Ah bah non, j'allais dire je vais la débloquer dans le shop, mais non pas du tout. Elle est disponible que demain, donc PLS total, pas de sorcière pour moi avant demain. Mais c'est pas grave, on va quand même attaquer ce pack opening, à savoir qu'il y a un gros pack opening du Blade qui arrive. Il y a de grandes chances qu'on le débloque à ce moment-là. Let's go, hein. On va attaquer l'ouverture de coffre, on n'a pas le temps. 92 pièces, une roquette et 12 esprits de feu. 103 pièces, 11 gobelins lance et 2... TDE. Pour l'instant, ouais, c'est pas foufou. On va ouvrir le shop. Putain, j'étais persuadé d'avoir une chance d'avoir la sorcière de nuit, mais en fait, choqué, déçu. Pas de sorcière de nuit, mais un petit shop quand même qui peut faire plaisir. Ouais, c'est honnête. Moi, ça me va des shops comme ça. Hein. Je fais pas le difficile. Et ici, on va attaquer donc. Alors, on attaque le coffre de clan. Il y a combien de cartes dans le coffre de clan? Il y en a 270. Et là, il y en a. Oh, bah, on va se garder le petit coffre de tirage pour la fin. On va attaquer avec le coffre de clan. Alors, pas de massage taille cette fois-ci. On a. Ah, bah non, j'ai pas réussi à débloquer une légendaire parce que la dernière fois, je l'ai fait en massage taille et j'ai pas eu de légendaire. Le pack opening de ce coffre de clan, Lynn, oh là en commentaire, et c'est parti, le massage taille sur le coffre. Mais non. Si T2 c'est pas mal, 44 chevaliers c'est pas dégueulasse. 66 gargouilles, ça fait 100 communes. Je sais pas compter. Oh là là, 11 mégas. Il manquait des communes et du coup des épiques. 130 gobelins lance. Et 3 gemmes que je vais pouvoir passer au level 6. C'est toujours ça de prix. Bah, on va enchaîner avec ce petit coffre du défi du tirage. On va prendre quand même pas mal de pièces. Ça va continuer à monter mon capital pièce. Je pense que là, je vais faire beaucoup plus de super défis pour pouvoir également monter mes pièces et continuer à maxer mes cartes. Parce que comme vous voyez, j'ai encore beaucoup de cartes à améliorer. Alors pour l'instant. C'est fou le merguez, le coffre. Non mais c'est fou. Ah ouais, non mais je suis vraiment un putain de poissard les gars, hein. Toujours pas de légendaire. 4 golems, ça par contre, ça fait plaisir. Je dis oui monsieur. Allez, maintenant on va passer aux choses sérieuses les amis. Ça rigole pas, comme vous le voyez, je suis à 4809 trophées. C'est mon record. Il faut absolument que je batte ce record. Donc on va tout donner pour aller chercher les victoires. Et on va jouer tout simplement le deck 3 Moumou Bélier avec le chevalier, la horde, le petit gang de gobelins, la petite pompe. Et normalement ça devrait bien se passer. On croise les nageoires. Petit massage taille, allez on est chaud. Un joueur asiatique. Alors vous la sentez comment? Est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais perdre? Il y a une petite vignette qui apparaît là. Faites péter les votes avant même de voir cette game. Et on va se mettre le petit suspense ensemble. Oula. Oula là. Ça, ça me fait pas plaisir les gars. Partir sur un esprit de glace et une tombe. On a un petit esprit de glace pour accompagner. Oh, ok, la princesse c'est plutôt bien fait. Et le petit chevalier. D'accord. Alors j'ai l'impression, j'allais dire Azab Bait, mais non. Oh, petite notif Clash of Clans, entraînement terminé, comme vous le savez, hein. La petite aventure Clash of Clans qui a commencé. Alors là, ça m'a coûté très cher, hein, pour défendre à la horde comme ça. Et on va continuer de prendre du dégât, ça qui est terrifiant. Hop là, on défend ici. Ah, il est chaud, hein. Il est chaud, le gars, hein.
qu'il est chaud. Alors, il a pas encore vu mes trois moumous, il a des flèches. J'ai l'impression qu'il a pas trop géré mes trois moumous. Alors, peut-être qu'il a un poison, on va voir ça assez rapidement. On va replacer une pompe ici. Ouais, non, par contre, les notifs, on va vite les désactiver. Ça va me faire chier à chaque vidéo, comme ça va pas le faire. Alors, on a la petite pompe qui est en haut. J'ai l'impression qu'il a pas de quoi les gérer. Les gars, on va y aller. Maintenant. Je sais qu'il peut foudre à tout moment, tout de suite j'envoie le chevalier. Ok, il n'y a pas de foudre les gars. Le petit gang de gobelins ici en fait pour gérer cette princesse qui va faire du mal à mes trois mousquetaires. Il a regardé le bus qui arrive, je pense qu'il est pas prêt les amis. Oh là là. On va partir sur un bélier à gauche. On prépare le zap ici. Oh là là, c'est en train de passer les amis. C'est totalement en train de passer. Il a mis les petites mouches de l'autre côté, mais il y a beaucoup trop. Le bélier qui proc, on a trois moumous en pleine santé qui vont prendre cette tour. Et la tour qui tourne. Tout de suite, on va drop un petit chevalier là et on va y retourner hein, de l'autre côté. En mode trois moumous, tout simplement. Oh, il place une pompe, cet homme est complètement fou. On achève la bête qui est saignante maintenant sur le bord de la route. Le petit esprit de glace ici en plus, sait-on jamais. Toujours plus, le petit bélier ici pour accompagner. On a un zap là pour arrêter tout ça. Le petit gang de gobelins derrière pour soutenir. On se chope la pompe. On va drop rapidement ici un chevalier pour défendre. On a l'ice spirit derrière et la défense qui va être effectuée. On part même sur un 3 coucou. Mais oui monsieur, le massage taille et la première victoire. Allez les gars, faut que je tape deux victoires d'affilée. Ça n'a pas été évident. On est à combien? 4840 trophées. Oh my god, la pression est énorme. Donc alors dites moi en commentaire est-ce que vous avez gagné votre pari ou vous l'avez perdu. Moi sincèrement j'aurais parié sur une défaite vu comment c'était parti. On va repartir sur une game, alors celle-ci on va refaire le jeu. Une petite vignette, dites moi si vous aimez ce petit jeu avec les petits sondages sur les paris. Petite vignette qui apparaît là, vous votez, est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais perdre. Alors sincèrement moi les gars je pense que je vais perdre là. Je vais perdre, on va continuer avec le même deck. Et on va croiser les nageoires. Moi je pense que je vais perdre, voilà. Je pense que je vais perdre. Après j'ai encore rien vu. Vous savez quoi, je vais attendre de voir quelques cartes et je vais vous dire. La main de départ est pas dégueulasse de mon côté. J'ai connu mieux. Mais c'est pas ignoble. On va partir tout de suite sur un esprit de glace fin de match dans un premier temps pour voir ce qu'il nous joue. Ok, il joue une méga là-bas tout de suite. Moi je pars sur un bélier portugais ici. À gauche, on prépare le zap. On va faire un électro-sorcier. Allez, oh il a pas proc, ça c'est terrifiant. Bon c'est pas grave, on a le petit gang de gobelins ici pour def. On aura le chevalier derrière. Oh, le bébé dragon en plus. Il y a beaucoup là. La petite horde ici en plus pour soutenir. Et normalement, ça devrait clean. Oh, l'électro hein, qui a attaqué ma tour. Ça commence mal. Ok, il envoie une bûche. Il a pas l'air très confiant, les amis. Une méga. D'accord, il est pas confiant du tout. Parce que là, on va bien le gratter. Avec... Ok, il a une bûche. Oh, il a pas de quoi gérer ma horde. Mais what the fuck. Alors, j'ai pas vu où est-ce qu'il avait joué son sort. J'ai dû rater un truc. On va partir tout de suite sur une bombe. Alors là on est bien parti les gars, je sens que je vais la gagner. Je sais pas pourquoi. Ah non non, j'ai rien dit. J'ai pas envie de me gelouner. J'ai pas envie de me... Oh tombstone. Oh lolo. Oh lolo. Est-ce qu'il a foudre? Oh il a pire que ça. Il a golem. Putain, j'en ai envoyé deux à gauche et c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas du tout ce que je voulais faire. On lâche le bélier ou pas? Non, je vais lâcher l'Ice Spirit. Et on va rajouter le chevalier après. Genre là. Ah, ok. Tout de suite. La petite orbe. On va enchaîner derrière avec le bélier portugais qui va. Oh non! Ma horde! Terrifiant. Ok, là, on voit la bûche tout de suite, le gang. Oh, j'ai très mal joué. Allez, c'est pas fini, on bourre là. Là, on bourre. Là, on bourre. Là, il y a beaucoup. Allez, allez, il reste une minute et la tour qui va tomber les amis, mais oui monsieur. On est chaud. On est là. Tout de suite, on place une pompe. Okay. Il m'envoie un golem. On part tout de suite sur un bélier portugais de l'autre côté. On colle bien ça à la tour pour éviter la poudre. Et on va rajouter le chevalier derrière. Voilà, le chevalier qui tank. Du coup on limite vraiment la casse ici. On va rajouter la horde là. Le petit zap en plus. Histoire de bien défendre. Il reste 18 secondes à tenir. Et les amis, c'est totalement défendu. On va même lui mettre ici. On va se permettre de lui mettre la pression avec un bélier portugais pendant qu'il joue son golem. Et là le bélier qui va tout simplement aller tout droit. La bûche
qui permet d'éviter au bélier de proc. Mais ça va tout simplement être le GG, le de coucou. Mais oui, monsieur, le 100% de victoire. On est là. On est chaud, le petit coffre en or et plus 29 trophées. On est à 4869. Mon record, clairement absolu. On est en train d'exploser tous les chiffres sur cette saison. Alors, dites-moi, tiens, en commentaire, quel va être vous, votre objectif de saison? Et à votre avis, je vais finir à combien de trophées cette saison? Moi, mon objectif, clairement, c'est de terminer au-dessus de 4900 pour tout simplement avoir un reset à 4300. Et puis, le coffre à 4900 trophées, mine de rien, il fait quand même plaisir. 251 cartes, contrairement au coffre qui est juste avant, qui lui contient 201 cartes. Il y en a quand même 50 de plus, c'est 25%. C'est pas dégueulasse. Du coup, bah, j'espère, mes petites tweets, que vous avez apprécié cette vidéo. C'est le cas, vous me lâchez votre plus beau pouce bleu. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle vidéo. Yeah.